Et suite à l'annonce du décès de feu Haché Abdullahi Ourah hier, donc le président de la République avait rendu un vibrant hommage à la mémoire du défunt, icône de la vie publique djiboutienne et personnalité très connue et appréciée par nos compatriotes. C'est dans l'effroi et la douleur que j'ai appris le décès de feu Haché Abdullahi Ourah, a déclaré le président de la République, qui a décrit le défunt de patriote éclairé ayant toujours placé l'intérêt de la patrie et de la concorde nationale au-dessus des visées personnelles et opportunistes. Sa loyauté et sincérité étaient à l'image de sa franchise incompressible, à l'antipode de l'arrivisme. A noter ensuite le président Guélé déplorant la disparition d'un personnage pluriel, au talent et ingéniosité s'étendant dans la politique, la maîtrise des langues, l'art et la culture. Puis de l'accueillir en son paradis éternel, a imploré par la suite le président de la République, exprimant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa compassion et solidarité à la famille, aux proches et amis du défunt. Décédé donc hier à Djibouti, Haché Abdullahi Ourah a rendu son dernier souffle au terme d'une vie familiale, professionnelle et culturelle et politique bien remplie. Modèle de courage politique, son combat pour la libération de notre pays l'a conduit à Mogadiscio, où il fut longtemps en exil depuis les années 60 jusqu'à l'indépendance de notre pays. Il acquit sa première notoriété nationale au prolongement de son engagement au sein du FLCS, la rébellion politico-militaire qui a œuvré en faveur de la souveraineté de notre pays. Il y a lieu de préciser également qu'au sein du FLCS, il a exercé les fonctions éminemment importantes de responsable en charge des relations extérieures. Patriote méritant, c'est tout naturellement qu'il sera nommé plus tard au poste de commissaire au port. Il laisse derrière lui une importante famille, dont une épouse et des enfants, ainsi que de nombreux petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raj'un.